On est 5 maréchaux et on a à peu près la responsabilité de ferrer 300 chevaux sur le site. Ce qui incombe un certain nombre de chevaux par jour par maréchal. Donc on travaille bien entendu en osmose avec le service vétérinaire. Et on refaire aussi les chevaux entre 35 et 40 jours suivant les grands rendez-vous pour les concours ou suivant aussi les spectacles du cadre noir, et on a aussi les chevaux d'instruction. Ça nous fait entre 3 et 4 chevaux chacun. Après, il y a des ferrures un petit peu plus complexes qu'on va poser, puisque avec une ordonnance du service vétérinaire sur des problèmes orthopédiques. Mais sinon, à peu près une ferrure basique, ça dure à peu près 1h30, quoi, maximum. Alors, votre compagnon, là, aujourd'hui, il s'appelle comment ? Cyrus de Longa. C'est un cheval d'instruction. Qui est pour les élèves, en fait. Et il fait du concours complet. Enfin, il fait du saut d'obstacle, beaucoup. Et donc, aujourd'hui, on doit lui renouveler sa ferrure, parce qu'elle arrive à échéance, et donc on doit lui remettre des nouveaux fers et lui enlever l'excédent de corne qui a poussé. Donc, on va procéder par l'antérieur gauche, et puis ensuite, on continuera sur l'antérieur droite. Voilà, en fait, le fer, il est assez usé, là. Donc je pense qu'on va on va remettre des neufs. Et on va donc enlever l'excédent de corne qui a poussé. Hein, ça représente pas tout à fait 1 cm, mais bon, il y a eu une pousse de corne. Donc, suivant notre parage, en fait, on va pouvoir rectifier la forme du cheval. Enfin, si ça provient que de la boîte cornée, bien entendu, hein, si ça provient du membre de la colonne d'os qui se trouve au-dessus, c'est un peu plus complexe. Il faut éviter de trop y toucher. Mais par contre, si ça provient de la boîte cornée, si on a un mauvais aplomb, grâce au parage, on va pouvoir modifier son aplomb. Ça, c'est comme pour les humains, il y a des gens qui ont des pieds plats, il y a des gens qui ont des pieds un peu plus courts que d'autres. Pour les chevaux, c'est la même chose. Hein. Non. Et ils n'ont pas tous la même pointure, bien entendu. Donc il y a des chevaux, il va falloir faire très attention parce qu'ils ont des pieds un peu plus sensibles que d'autres. Là, sur des pieds un peu plats, on va faire attention à ne pas en enlever de trop parce que, en fait, un pied plat, c'est un pied qui est un peu plus sensible qu'un pied, on va dire, normal. Où on met les clous. Et à
chaque fois, plus c'est du sur-mesure. Mais il y a une ligne blanche. Il ne faut pas que les clous y soient à l'intérieur de cette ligne blanche-là. Sinon, on va faire voler le cheval. On pose entre 10 et 12 000 fers par an à peu près. Alors on a différents styles de fers, on a des fers en aluminium, des fers un peu plus légers pour les chevaux de sport, des fers un petit peu plus lourds, enfin on va dire ça lourd, il n'y a pas beaucoup de différence, mais un petit peu différent pour les chevaux qui font de l'instruction. Mais comme on disait tout à l'heure, on a de plus en plus allégé le matériel et donc aussi les fers. Vous êtes quand même plié en deux toute la journée. Hein. Oui, ça nous apporte quelques soucis. Voilà, on a un peu le problème du comme tous les maréchaux, mal de dos. Hein, voilà, mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Hein. On est obligé de s'adapter. Alors dites-moi, là, il n'y a pas d'ordinateur pour régler un fer. Hein. L'ordinateur, il se trouve là. Voilà, on prend la photo avant du pied. Et après, on essaye de l'adapter autour de l'enclume. Enfin, on essaye d'adapter le fer à la meilleure tournure du pied. Voilà. Lorsqu'on débute, c'est ce qui est le plus compliqué, en fait. De mettre le fer au pied. Il ressent la chaleur. En fait, il ressent pas si on lui a laissé suffisamment de pied pour après le parage, quoi, en fait. Enfin, toute la difficulté, c'est ça, c'est de pouvoir lui enlever suffisamment de pied pour rectifier son aplomb. Et tout en fait aussi en lui laissant un peu suffisamment de pied pour pouvoir porter le fer à chaud sans pour cela le brûler. Hein, parce que brûler un cheval, c'est une faute très grave. Mais la corne a quand même une inertie sur la chaleur, elle tient bien la chaleur quand même, la corne. Oui, elle tient bien, mais on va vraiment la chauffer sur quelques millimètres. Hein. Parce qu'on ne va pas rester très longtemps dessus. Il faut voir que si le fer est bien ajusté au pied, on ne va pas rester très longtemps dessus, on ne va pas revenir sans cesse pour poser le fer à chaud sur le pied systématiquement. À partir de là, on pourrait créer des soucis, des problèmes plutôt. Voilà. Donc là, on lui enlève la chaleur là, pour éviter qu'elle se propage trop longtemps dans le pied. Voilà, puis là, je n'ai pas fait porter de trop, donc ça devrait aller. Un petit coup dans l'eau froide. Oui, pour refroidir. On va regarder un peu. Voilà. Voilà, c'est pas tout mal. Ils ont la corne, en fin de compte, ils poussent. Mais comme elle pousse
pas que en hauteur, elle pousse aussi sur la largeur. Donc le fer, on est obligé de le laisser un petit peu plus large à certaines parties du fer. Mais pour éviter que ça fasse un bord franc et qu'il se défère, on est obligé de crasser l'angle. Il faut savoir que la corde, c'est comme nos cheveux et nos ongles, ça pousse à la même vitesse. La moyenne, c'est à peu près 1 cm par mois. Pour se comparer aux chevaux, sauf que nous, on est des plantigrades, on marche sur la plante des pieds. Et puis on marche que sur deux pieds. Alors qu'eux, ils sont digitigrades, ils marchent sur le bout. S'il y a un doigt, les chevaux, c'est un doigt, ils en ont un, nous on en a 5. Ils marchent sur le bout des doigts. Il faut s'imaginer notre main, notre tronc. Nous, on a une protection, l'ongle, il est sur le dessus. Alors qu'eux, c'est tout autour et en dessous. Mais comme ça pousse, ça agit sur les tendons, les ligaments, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Là, il n'y a qu'un os, là c'est que des tendons, des ligaments, c'est... il n'y a pas de muscle pour tenir. Donc il marche vraiment sur le bout des doigts. Donc quand il a les pieds trop longs, bah, ça gêne, ça tire sur ses articulations, sur ses tendons, sur les ligaments. Donc c'est pas bon pour lui. Quoi. C'est parce qu'au monde dessus, les chevaux sauvages, ils n'ont pas besoin de nous. Ça s'use au fur et à mesure que ça pousse. Alors que, ben, comme on leur met un fer, alors, en fin de compte, on ferme les chevaux parce que l'usure de la corne elle serait plus rapide que la pousse. Le fil d'argent, en fait, on va casser l'arête du fer. C'est pour empêcher, en fait, lorsque le cheval peut s'accrocher ou venir se toucher comme ceci. Si l'arête est vive, ben, on a davantage de chances qu'il se défaire. Alors qu'en cassant l'angle, ça a davantage tendance à glisser et on a un peu moins de risque du déferrage. Alors, cette étape-ci, ça s'appelle donc le brochage. Donc aussi, on adapte les clous à la dimension du fer. Hein. Si on ajuste correctement le fer au pied, on aura beaucoup moins de soucis pour brocher, en fait, pour mettre les clous. Et en fait, on va aussi incliner les clous suivant l'inclinaison de la paroi. Voilà, là, celui-ci est un peu haut. Là, donc, on va celui-ci. On a quelques millimètres, enfin, au grand maximum 1 cm, grand maximum pour pouvoir mettre le clou. Hein. D'où l'importance, comme je le répète, de l'ajustage du fer, en fait. Alors là, je mets 6 clous. Pourquoi ? Parce que, en fait, on dit toujours que le clou, c'est une agression à la paroi. Si le fer peut tenir avec 6 clous, aussi bien mettre 6 que 8, parce que encore 2 trous de plus, ça abîme la paroi. Et donc moi j'essaye toujours d'en mettre, enfin le minimum, non, 6, pour moi c'est bien. Le brochage donc est terminé, c'est l'avant-dernière étape, et maintenant on va finir par le rivetage, donc on va couper l'extrémité des clous qui viennent de sortir là, parce que si on laissait les clous comme ça sur le pied, ça pourrait être dangereux. Hein. Il faut vraiment les couper et les appliquer sur la paroi, ce qu'on appelle le rivetage.
on appelle ça dégorger sous le clou. En fait, on va faire un petit logement. Pourquoi ? Lorsqu'on va après, avec notre pince arrivée, on va l'appliquer sur la tête du clou. Il va venir se loger complètement dans ce logement, là, dans le petit creux qu'on a effectué. Et à partir de là, logiquement, eh ben le pied est rivé correctement. Parce que on a un test à faire, c'est simplement passer la main dessus. Et lorsqu'on sent, on ne sent pas de petite aspérité, c'est-à-dire, ben ça veut dire que le rivet est correctement accroché à la paroi. Alors là, on va lui mettre un petit peu de l'huile de laurier pour assouplir un peu la paroi et puis la faire pousser un peu plus facilement. Mais si tu bouges pas là, voilà. Vous faites ça à chaque fois ou... Non, parce que je me suis aperçu qu'il n'avait pas une paroi très très tonique. Alors, en lui mettant un petit peu d'huile dessus, d'huile à base de laurier, comme ça, ça, moi j'aime bien parce que ça facilite un peu, ça assouplit la corne et puis ça peut faciliter aussi la pousse. L'huile de cadre, c'est différent ? Je ne sais pas si ça a les mêmes propriétés. Moi je sais que l'huile de laurier, ça permet quand même... Moi, je trouve que c'est un produit intéressant. Après, chacun, midi à sa porte. Moi, l'extrait de l'huile de laurier, c'est encore mieux. Hein, parce qu'au niveau... Moi, j'ai vu réparer des chevaux en mettre au niveau de la couronne. Hein, des chevaux qui n'avaient aucune pousse de corne et puis qui avaient qui avaient une corne très, très cassante et tout. En mettant l'extrait de l'huile de laurier au niveau de la couronne, à raison de deux fois par semaine, avec une petite brosse à dents. Parce qu'il ne faut pas en mettre trop. Il ne faut pas en mettre de trop parce que ça fait office de feu, c'est violent. Il y a des pieds qui ont bien repoussé. Bon ben monsieur Claude, on a fait un bon tour de votre métier. Ben oui, je pense, oui. On a fait à peu près la ferrure complète. La journée n'est pas finie.